C'est tellement vite quand les enfants ne sont pas là. J'aurais bien voulu les accompagner pour cette sortie éducative. C'est vous! Je suis contente que vous soyez là. Victoria est malade. Tout allait bien et... Et tout d'un coup, elle a eu du mal à respirer. Les médecins ne savent pas ce qui lui arrive. Son collier. Son collier? Eh bien, il est sur la commode. Elle avait cassé le fermoir, mais je l'ai réparé. Ma sœur, est-ce qu'elle a reçu la visite? Non. Oh! Ils sont ici. Je dois emmener Victoria, et vite. Quel est l'endroit le plus sûr du bâtiment? Eh bien, le sous-sol. Oui, le sous-sol. Alors descendez immédiatement, ma sœur. Je vous retrouve avec elle. Oui, oui, bien sûr. Oh, Dieu soit loué. Oh. Bien. Merci. Vous êtes revenu. Comme vous l'aviez dit. J'ai eu tellement... Attendez, on va juste baisser le son de la musique, il est juste extrêmement fort. Même en le baissant, les amis, vous vous rendez compte? Allez, c'est parti, laisse Victoria parler. Et bonjour et salut à tous pour ce nouvel épisode. Peur. Donc on va essayer de... Putain, on va essayer de se faire sortir Victoria d'ici. Et assez rapidement. Donc là, je suppose que on va devoir passer par la gauche. De toute façon, ça a l'air d'être scripté, ces zones. Donc ça a un chemin bien, bien précis. On pourra pas faire sans. Sachant qu'il y a des gens armés qui arrivent. Donc il faudra... C'était des coups de feu. Chut, reste calme. J'ai promis à Diana de te protéger. Il va le faire. Il va te protéger. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont fait sortir tout le monde. Il y aura aucun enfant. Déjà, il y a aucun enfant qui mourra. Mais je pense que les bolsters vont tous crever, quoi. Si je me rappelle bien, elles vont se faire défoncer. Qu'est-ce que c'est? Dis plus rien. On va se cacher là. Je me disais bien. Je me fous que ce soit des nonnes. C'est juste que on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Okay. C'est Wade. Nickel. Ce type aime le sang. C'est sa drogue. On se casse. C'est sûrement pour ça que personne l'a jamais Hop. Coincé d'ailleurs. On va prendre l'ascenseur. Donc faut savoir que normalement faut les éviter. Bon, quand vous jouez en mode facile, c'est dicté, c'est dit bah, tournez à gauche, sinon vous allez vous faire repérer. Mais en mode difficile, vous le dites pas. Il vous le dit pas. Ce qui me fait marrer, c'est quand même 47 en pasteur. Faut le faire quand même. Je dois rétablir le courant. Sœur Marie attend au sous-sol. Je vous retrouve là-bas. Ok. On va monter directement. Hop. Allez, histoire, mon petit 47. Ça va trop loin. Ouais, oui, mais là, par contre, ça, c'est pas cool aussi. Hein. Ok, donc ils nous ont mis un petit garde en haut direct. Je me suis fait repérer. Bon, ça va, le point de contrôle n'a pas sauvegardé ça. On finit ce qu'on a commencé. Bien. Et du coup, remarquez quand même, ils ont défoncé la bonne sœur quand même. Elle est immaculée de sang, la meuf. Merde, ils plaisantent pas. Y'a rien comparé à ce qui nous attend si on trouve pas cette fille. On va voir s'ils ont quelque chose. Elle est défoncée, la meuf, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, on est en train de chercher. Toujours rien. T'en fais pas, on va la trouver. Ça marche. Ok, bon, on va se déplacer tranquillement. Le type ou la meuf, le type, ils sont tous morts, quoi. C'est horrible. C'est horrible de se dire qu'ils sont tous fait buter, quoi. Par contre, j'ai plus mon silencieux, en fait. J'ai essayé d'avoir mon silencieux maintenant. J'ai un vieux flingue. Qui est pas du tout silencieux en plus. On va essayer de faire ça
discrètement. Ok. On va essayer de passer à la cool, sachant que putain ils ont tué un. Bon, rapprochez-vous. Ok. C'est chaud là. Chaud, 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 chaud. Je viens d'avoir Wade au téléphone et il est pas content. Ça va être chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais au moins, il y a un point de contrôle. Sachant qu'il y a un truc en haut. On va aller le récupérer direct. Putain, mais ils ont pas épargné une seule sœur, quoi. C'est un pur carnage, le truc. Bon. Tant pis. Je me suis fait repérer, mais ça va. J'ai eu le point de contrôle juste à côté, donc je me permets quand même de l'utiliser. Ok. Ils ont quelque chose. Ça va être chaud, ça va être chaud. De monter là-haut, mais bon. On va par en bas si je peux faire quelque chose. C'est un coriace. Putain, ils vont. Ils se lâchent pas, hein. Ils se lâchent. Ah, j'ai une entrée. Ça, c'est cool. Ça va peut-être nous aider. En tout cas, j'espère que lui va se casser déjà. Ok. Je viens d'avoir Wade au téléphone et il est pas content. Putain. Ouais, il dit qu'on est trop con pour trouver nos propres bites. Bon, ok. Là, il y a un fusible. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fonce directement le chercher. Ok. Ouais, ouais. Ok. Bon, celle-là, c'est pas gagné. C'est que je peux me faire niquer, là, quand même. Oh, merde. Il était Furax. Ah, je sais pas. J'ai pas écouté. Arrête tes conneries. Si on trouve pas cette fille, on est mort. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, on est mort. Ah, ouais. Vraiment? Pourquoi ça? Ah, pourquoi je me fais chier, sérieux? Je peux compter sur toi? Non. Parce que t'es tout le temps défoncé. Je te couvre, ouais. Moi. Ouais, ok. Non, t'en fais pas pour moi. Hein? Il y a quelqu'un, ouais, il y a quelqu'un. Ah ouais. Ok. Bref, je me défoule un peu aussi. Bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on va quand même chercher les putains de fusibles. Et on va essayer de pas se faire repérer cette fois et de monter directement en haut par la suite. Je vous propose cela. Bref. Hop, on va garder, on va, alors, si on peut sortir, ok, on se pose là, on passe tranquille, je prends pas cette arme, il y a pas assez de balles, je trouve, ok, on va chercher le fusil, bon, on passe juste derrière le mec, voilà. Ok, nickel. Hop, on passe derrière le comptoir. J'allais dire une cuisine, mais c'est pas une cuisine. Petit comptoir. Hop, on se casse. De toute façon, si c'est pas Wade qui vous castre, c'est 47 qui vous castre. Donc ça sert à rien de dire ça, mec. Hop. Nickel. Bon, il y en a un qui va descendre, il me semble. Il est là. Il va descendre, on l'assomme, on prend son froc, et c'est tout.
Ok. Là, ça va être maîtrise. Hop. On le tue pas, c'est pas le but. Voilà. Le but, c'est de prendre ses vêtements pour passer un peu plus inaperçu. Hop. On va prendre ce qu'il faut pour cacher. Voilà, hop, on le met là. Je vais passer par là. On va récupérer le fusible qui est juste par là, là, je crois, il me semble. Ok, par contre, lui, voilà, on va pas. Qu'est-ce que. Hey, vous! Hey! Sortez d'ici! Ok, hop. Voilà, ça c'est fait. On va le foutre à l'intérieur. Nickel. On récupère la seringue. Te fous pas de ma gueule. Écoute, on peut te faire encore bien plus mal. Maintenant, dis-nous où est la fille. Ok. Pas mal le numéro de travesti. Ouvrez le feu sur le. Ok, nickel. Pitié, me tuez pas. Pitié. Bah, je suis venu te sauver, mon pote. Je suis venu te sauver, mon pote. Bon. Maintenant, où est-ce qu'on peut les cacher? Il y a moyen de les cacher ici ou quoi? On peut pas les cacher. Oh si, on peut les cacher, hop. On les fout tous à l'intérieur. J'ai sauvé au moins un flic. Ce sera déjà un mec sauvé quoi. Ok, hop, on fout celui-là aussi ici. Hop. Un autre là-bas. Je crois qu'on peut en mettre illimité là. Ou pas? Non. Faut que je trouve un autre endroit pour les cacher. Si j'arrive à les cacher. De toute façon, il faut que je les cache. Le mec qui a envie de cacher tous les cadavres. Comment avoir un mec pas du tout discret? Déjà, je vais cacher le cadavre qui est en bas là. Je vais le remonter. Lui, je crois que c'est le plus suspect quand même. Ok, hop. Hop, lui on va le foutre là. La position de ouf. Donc il disait que j'avais un fusible à récupérer ici. Exact. Bon, il y a le petit témoin, mais ça c'est pas le souci. On a sauvé le type quand même, donc il y a rien à dire. Moi je sauve les gens. Et ouais, mais pas mes amis, je les sauve. Et le dernier, ah, les deux derniers sont là. Ça va être chaud. Ça va être pas facile quoi. Ah, t'aurais dû voir ça. Stockard se pissait dessus. Non mais tu le crois? Quelle lopette! Franchement, il mérite de crever. Ok. Bon là. Et je pense juste. Hey, vous l'avez trouvé? Oh, il aurait pu répondre. Ça alors? Arrêtez ça! Qui a lancé ça? Non,
matériel. C'est qu'une seringue. Mais si, je l'envoie là-bas. Qu'est-ce que tu sais que c'est? Ok. J'ai fait le con, mais bon. Bon. Ça sert à rien à ce que je viens de faire. Ce serait pas... Non, c'est pas lui. Hé, toi ! Attends ! C'était quoi, ça ? Ouais ? C'était quoi ? Ok. Va te faire foutre ! Voilà ce que c'était ! Mais qu'est-ce que tu fous? Hé hey, accroupi comme ça. Tu connais ce type? Qui tu es? Ce serait pas ce type. Hey, c'est quoi la STR? Hé, mon gars. Oh, ça va? Non, ça va pas. Hé, hey, te barre pas comme ça, mon gars. Laisse-moi voir qui tu es. Hé, hey, connard, reviens ici. Putain, sa mère. Après toi. Vous les passez. Vous les passez. Vous le voyez? Non, vous le voyez pas. Je le vois pas. Vous les passez, bordel. Ça sent les emmerdes. Ouvre l'œil, ok? Si tu veux, ouais. Qu'on en finisse. Putain, les types, ils me cherchent bien, quoi. Ouais. Il est pas là-dessous. Ah bah non, je serais pas là-dessous, tu sais. Sors de là, espèce de lâche. Ok, nickel. On va attendre un peu que ça stabilise. Ou pas. Bravo, t'es désormais officiellement l'enfoiré le plus stupide que j'ai jamais rencontré. Ça va être chaud. Et tes deux cousins bouffent de la colle, ok? Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe par en haut. Je prends mon costume de pasteur. Hop. Ok. On prend notre petit costume de pasteur et on remonte là-haut. Ok, je descends par là. Ok, nickel. Nickel. Voilà. Nickel. Objectif accompli, les amis. Sœur Marie. Allez, débat-toi un petit peu, ma jolie. Hey, wait! Moi aussi, je veux en être. Le fiston à son papa. Alors, on s'est tiré sur la nouille toute la journée, hein, pas vrai? Ferme-la, wait! Hé, hey, tu te prends pour un dur, Lenny. Hein? Un vrai dur. Arrête! Allez, quoi, un vrai dur, c'est ça? Allez, trop dur, allez, viens! Viens! Non, écoute, ok, tu vas voir. La ferme, wow. Salope, ou je te mets une balle dans le cul. Attention tout le monde, faites un peu de place à Lenny la patte folle. Allez. Tu sais quoi, Wade? Pas de... Oh.
ça sur les mains, Wade. Oh. Vous avez vu ça? Elle a explosé comme une pastèque. Lenny. Je vais te dire, Lenny. Va mieux de laisser les adultes nettoyer ça. Restez là, les gars. Bien joué, Lenny. Bien joué. Ouh, c'est parti en what the fuck, bon, là. Traquer Wade. On trouve la fille. Et maintenant ? On attend que Wade nous dise quoi faire. Et pas de fumette. Non, j'aime pas ça. Pas ça du tout, moi. Les flics attendent peut-être dehors. T'y as pensé à ça ? Je crois qu'on ferait mieux de foutre le camp. N'importe quoi. S'ils étaient là, on le saurait. Détends-toi, tu veux ? Ouais. Mais les flics, ils sont pas encore arrivés. Ils vont pas tarder, je me semble. What? Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, merde. Bon, cette fois, on n'oublie pas qu'il y a un troisième garde. Bon, et on va essayer de passer tranquille. Tiens, on va prendre l'arme. Un point neutre qui est. On attend que Wade nous dise quoi faire. Et pas de fumette. Non, j'aime pas ça. Là, on va envoyer la bouteille par là-bas. Et on va occuper les deux gardes qui seront à gauche et le mec à droite. Normalement, il entendra rien. Je crois qu'on ferait mieux de foutre le camp. N'importe quoi. S'ils étaient là, on le saurait. Détends-toi, tu veux? Allez hop là, cassez-vous, séparez-vous, voilà. Allez, voilà, bande de vieux là. Ok, on va envoyer ça là-bas. Moi, je quitte mon endroit, je me pose par là. Ok. Et c'est qui, allez, parti. Hop là. Quoi? On va passer par là. Ok, nickel, on s'est pas fait repérer. Là, hop, j'arrive, je passe, hey, je prends le couteau. Qui était à l'hôtel Terminus. J'arrête pas d'entendre des rumeurs. Quoi? Non, oui. Sûrement bidon. En tout cas, il a mis Wade en pétard. On risque la chaise parce que ce taré a des comptes à régler. Moins fort, putain. Imagine qu'il t'entende. Ferme-la et fais ton boulot. T'es payé pour ça. Quoi? Ok, c'était quoi ça? Ok, nickel. Eh ben, tu le sauras dans une minute. Ok, on se hisse. Et on reste bien camouflé. Ok. Ok, bon là il y a deux mecs, deux Gugus, un là. Se faire repérer sur, ce bon sur un si bon chemin. Ok, nickel. Y'a rien à faire là pour les distraire, je pense. Non. Lui, il va me repérer dans la seconde. Ok, là c'est bien parti. On tourne. Combat de boss ou quoi? Faut qu'on se fasse Wade, les gars. Mange-moi ça, enfoiré!
Voilà. Nickel. Comment je les ai défoncés. Arrête de te débattre, merdeuse. Hé, hey, wait. Qui c'est la patte folle maintenant, enfoiré? Ça t'apprendra à te moquer de moi. J'espère que tu vas crever. J'espère que ce sera long et douloureux, sale fils de pute. Et toi, si jamais tu bouges, je lui colle une balle dans la tête. Ouais, t'as bien entendu. Ouais, voilà ce qui arrive quand on cherche Lenny. Fallait pas chercher Lenny. Fallait pas me chercher, connard. Hope, Dakota du Sud. Eh ben, ça fait une sacrée trotte. J'ai la trique, putain. Mais pourquoi j'ai la trique? Spécialiste, c'est un petit peu en dessous d'ombre, mais c'est déjà pas mal, sachant que la première partie on a fait quand même ombre, on a géré. Bon, on se retrouve au prochain épisode les amis.